qu'on s'est pas vu. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y avait vraiment, vraiment maille. Là, je suis dans mon atelier commercialisation et tous les jours, j'envoie des marchés. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul. Je suis avec mon ami Alexandre. Salut Alexandre. Salut Alex. Et ouais, on est deux Alex. Et ce Alex-là, il est venu me voir sur l'exploitation parce que lui aussi, il a envie de s'installer en héliciculture du côté de Perpignan. Il m'a trouvé grâce à mes vidéos et il a souhaité faire une immersion totale. Donc il est venu faire du woofing. Je l'ai nourri, je l'ai logé et je l'ai monstre exploité. C'était bien. J'ai beaucoup travaillé. Oui, pour de bon. Non, on a bossé dur. Là, on va pas vous vendre une carte postale. À la fin de la vidéo, on va faire un petit débrief avec Alex. Il va vous dire ce qu'il a pensé de son expérience sur mon exploitation. Et je vous dirai aussi combien j'ai gagné. Comme ça, vous verrez si ça vaut la peine. Mais ouais. Ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Ouais, ouais. Ouais. On est potos. Ah, on est potos. Ouais. Et l'idée de cette vidéo, en fait, c'est de vous présenter l'atelier commercialisation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a fait des prises de vue directement sur le marché. On vous montre comment on fait toute la mécanique de ma roulotte. Et ensuite, dans les vidéos à venir, je vais détailler chaque séquence de tout ce que j'utilise. Enfin, vous comprendrez quand vous aurez vu. Allez, regardez, ça démarre maintenant. Avec mon échoppe, je propose deux façons de commercialiser. Ou la vente surgelée, empaquetée, à l'emporter, ou alors cuisinée sur place. Je vais vous montrer les deux. Bonjour. Vous êtes sur l'exploitation des escargots du hameau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous faites sur quoi ce pourcouté? Alors, je fais les deux. Ce que je propose, en fait, c'est trois produits différents. Le premier, c'est la fromentine. Donc, c'est un escargot dont j'ai retiré la coquille et que j'ai remplacé par un biscuit. Ça fait un petit croustillant, une bouchée qui est idéale pour l'apéro. Je fais aussi des petits gris. Alors ça, c'est typique du Périgord. Il est entier avec le foie. Et le dernier, c'est le gros gris que j'ai paré. Ça veut dire que j'ai enlevé l'escargot de sa coquille, j'ai enlevé le foie et je l'ai remis dans sa coquille. Et tout est au beurre à l'ail persillé. Vous pouvez le manger chaud à déguster sur place ou l'emporter surgelé chez vous. D'accord, c'est fait en combien de temps? 2 minutes. Parfait. Je vais me laisser tenter par le petit gris. Une douzaine de petits gris à consommer. Une douzaine de petits gris? Allez, c'est parti. Et voici. Merci bien. Bonne dégustation. Merci. Alors, ça vous plaît? Je suis régalé. Génial. C'était vraiment un régal. Ça, un goût de reviens-y. Eh ben, ça tombe bien. Vous pouvez y revenir hein, quand vous voulez. Avec grand plaisir. Je vais vous en prendre une douzaine de petits riz à emporter, s'il vous plaît. Ok, ben, il n'y a pas de problème. Mes prix sont ici. Je prête
Je pratique la vente au kilo parce que je refuse le calibrage. Parce que moi, jeter des escargots à la poubelle parce qu'ils sont petits ou mal encoquillés, ça me plaît pas du tout. Allez, je vous prépare la douzaine de petits gris. Merci. Voilà, une douzaine à 4,85 plus une dégustation, on était sur 12 petits gris à 11 euros. Ça vous fera 15,85 s'il vous plaît. Volontiers. Donc 15,85. Et voici. Ok. Que vous avez le sans contact? Non, pas du tout. Alors, je vous laisse insérer votre carte. Merci. Voilà. Est-ce que vous désirez un ticket? Non, ça ira, merci. Très bien. Et c'est parti. Et voilà. Alors, 10-15 minutes à 220 degrés. Et quand le beurre prémisse, c'est que vous savez que c'est prêt. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bon, voilà en gros à quoi ça ressemble mon atelier commercialisation. Ben, comme vous avez vu, il y a beaucoup de matos. Il y a la roulotte, il y a un four à cuisson ultra rapide, il y a aussi des caisses enregistreuses, il y a des balances, il y a un congélateur, il y a un système pour surélever le congélateur, il y a un barnum, il y a une multitude d'objets. Mais vraiment, faut pas vous inquiéter, ça on va détailler vidéo par vidéo. Et comme ça, on fera un petit peu le point de ce qui me plaît et de ce qui me plaît pas. Ok ? En ce qui concerne mon chiffre d'affaires. Alors ça a commencé, ça fait maintenant un petit mois et demi que j'ai commencé, au marché gourmand. Donc les marchés gourmands, c'est vraiment des fêtes qui sont typiques de chez nous, où on mange, il y a de la musique, on fait un peu la fête. Et c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est assez cool. Et du coup, j'ai commencé timidement avec un 250 euros à peu près par soir. Et je me rends compte que je commence à avoir des clients qui se fidélisent et je commence à toucher un peu les 300 euros par soir. On a aussi fait l'expérience, enfin, il a fait l'expérience parce qu'il a fait la commercialisation lui d'une brocante qui a duré toute la journée. C'était chaud, hein, t'étais avec Jenny. 13 heures d'affilée. Ouais. Sur le stand. C'était belle expérience, très belle expérience. Et puis là, du coup, on a sorti pas grand chose, on a sorti 400 euros. On s'est rendu compte qu'on mange très fort à midi et très fort pour la soirée, et au milieu, il se passait vraiment plus grand chose. Après, voilà, c'était une brocante, il venait pas acheter du surgelé, il venait acheter des bibelots, forcément. Mais bon, à réfléchir si on quitte pas les lieux ou si on renonce à ce genre de trucs. Maintenant, ce que j'aimerais bien échanger un petit peu avec vous, c'est avec mon pote Alex, qui a un prénom absolument divin. Ce qu'il en a pensé, parce que c'est vrai que l'héliciculture, ça fait rêver. Toi, Alex, tu as envie de te lancer dans l'héliciculture. C'est ça. Est-ce que tu imaginais ça en commercialisation? Clairement non. Ouais. Clairement non. Ça a été une semaine très difficile. C'est pas de tout repos. On voit souvent la partie élevage, on voit la partie transfo, mais la partie vente et vraiment la commercialisation, c'est
C'est ultra épuisant, c'est vous rentrez d'un marché à 1h, 1h30 du matin, il faut aller nourrir les escargots, il faut aller se coucher, et à 6h, vous repartez. Et ça, faut tenir la cadence. Je l'ai fait sur une semaine, il me tarde d'aller dormir, lui, il va encore continuer. Eh oui, moi ça s'arrête jamais. Bah tout ça, c'est aussi pour vous dire que l'héliciculture, c'est un job qui est magnifique, on est complètement indépendant, on fait exactement ce qu'on veut, mais il y a des contreparties. Moi j'aime bien dire que dans la vie, ben, y a les moutons et il y a les loups. Les moutons, ben, c'est les gens qui ont leur ouvrier, il n'y a pas de mal, hein. Ils n'ont pas de soucis, ils rentrent à la maison, ils laissent les soucis au travail et c'est hyper confortable. Maintenant les loups, ils sont libres, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais par contre, s'ils n'arrivent pas à se démerder pour aller chasser, ils meurent de faim. Alors du coup, on se bagarre beaucoup. Il ne faut pas oublier ça quand on s'installe. C'est un job qui a plein temps. Donc il faut aussi penser à la famille, il faut qu'elle nous suive, c'est important, c'est vraiment important. Mais bon, maintenant que tu as pu tester ça, est-ce que tu veux encore devenir héliciculteur ou ça t'a fait peur? Alors ça peut impressionner, mais j'ai décidé d'être un loup. Ah, c'est bon et ça. Et voilà, je perdurerai, je continuerai, et puis rendez-vous est pris sur ma future exploitation. Yes, à Perpignan, hein, c'est à Perpignan, c'est ça, dans les Pyrénées-Orientales. Et voilà, il a fait que confirmer mes attentes. C'est dur, mais ça vaut le coup. Le retour des clients sur les produits, c'est vraiment ce qui va vous donner du baume au cœur, vous donner envie de continuer. C'est vraiment impressionnant. Faut savoir que beaucoup de personnes sont venues nous voir en disant « Ouais, les escargots, mais ces gens-là achetaient pas des produits comme Alex peut faire. » Et ces gens-là sont revenus. On félicitait Alex pour sa production. Il a redonné envie aux gens de remanger des produits. Et un enfant de 10 ans a pris une assiette et est revenu et il a dit « Monsieur, c'est top, je remangerai des escargots. » Et ça, je pense que c'est sa plus belle des fiertés. Ben, c'est clair qu'on est obligé de taper dans de la qualité parce que voilà, chez Aldi, ils les vendent à 2,80 €, on ne peut pas concurrencier, donc il faut que ce qu'on produit, ce soit bon. C'est hyper important, ça c'est clair et net. Et je confirme. Ouais, ils sont bons. Très bons. Ils sont bonnes, mes calories. Ils sont bons, ils sont chauds, mes escargots. Ils sont bio, mes escargots. Ils sont bio. Donc, ouais, ça, c'est plutôt chouette. Et puis, comment tu as eu l'idée de devenir héliciculteur? Alors, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été salarié. J'ai eu des soucis de santé et donc j'ai eu une inaptitude. Et voilà, donc j'ai cherché une reconversion. Et c'est pas évident à la quarantaine refaire une reconversion et je me suis dirigé sur les métiers plein air. Et ça va peut-être vous paraître bête, mais j'ai revu un extrait de L'amour est dans le pré, où il y a une hélicicultrice qui est présente, et vous pouvez la voir même en ce moment même. Et salut Perrine, ça va? Salut Perrine. Ça va les amours, on est avec toi. Merci à toi aussi d'ailleurs. Et donc j'ai regardé ma compagne et j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Merci. De là, j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur ta chaîne, et je suis là. Et voilà. Donc voilà, et je tiens à dire que s'il s'installe et il va s'installer, ça sera la 10e personne qui s'installe grâce à mon travail sur YouTube. Et ça, c'est la plus immense satisfaction que je peux avoir. J'aurais jamais pensé y arriver, mais c'est vraiment, 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 vraiment satisfaisant. Et il en faut encore plus, alors installez-vous. Ouais, c'est dur, mais installez-vous. Et surtout, merci à toi pour ton travail, parce que grâce à toi, je suis là. Ouais, ben. Merci à toi d'être venu, c'est bien. Allez, viens. Allez. Oh, mais bien. Allez. Et au-delà de ça, au-delà d'un futur confrère, j'ai gagné l'amitié d'une super belle personne. Et franchement, ça, c'est la meilleure des expériences humaines que j'ai pu avoir. Franchement, pour ne pas vous cacher, je pars aujourd'hui, dans une heure, je reprends le train. Et franchement, ça va être très dur. C'est vraiment... une très belle personne et il travaille vraiment super bien et c'est vraiment, 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 vraiment un pro. Et il aime son métier. Il le fait avec le cœur, avec la rage et ça, c'est vraiment, vraiment un... C'est énorme. Arrête. C'est énorme. Arrête maintenant. Tiens, je te donne tes 100 balles après. Faut y passer. Attention les chevilles. Hein. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. De. Et puis, et ben voilà. Nous, on va s'arrêter là parce qu'on a fait une grosse journée. On va aller boire 2-3 bières parce qu'on a encore un peu de temps.
Et puis, ben, en attendant, le plus important, c'est... parler d'escargot. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. J'ai peur, je parle de mon métier. C'est vrai ? Oui. Ouais, c'est sympa, c'est assez sympa. C'est pas content, hein, que... Ah ouais. J'ai pas pris de petit déjeuner, ça va être bien. Eh bien, alors, pour commencer, j'ai des 20 gris. Alors ça, c'est vraiment l'escargot traditionnel de... Allez, je lance la première. Scène 1, l'intro. Bon ben, atelier commercialisation. C'est parti. Voilà, la scène est bonne.